Au début, il était question de faire une bouteille. Et moi, je t'ai répondu que je ne pouvais pas faire une bouteille si j'étais pas un petit peu responsable de l'intérieur. C'est l'idée qu'on a eue d'ouvrir de nouvelles portes, de s'appuyer sur notre connaissance du terroir, de la vinification des vins, de l'histoire de la maison, pour se propulser vers une réinvention du champagne. Et le nature, c'est ça, on va travailler sans maquillage. La beauté du champagne, c'est que c'est le seul vin qui soit avant d'être un vin, c'est une idée, c'est une intention, c'est un projet, le champagne. Ta description, ta vision de ce qu'est un champagne avec tes émotions, ta sensibilité, etc. C'est extrêmement riche d'enseignement pour nous. Alors l'important, c'est d'abord qu'il soit diagonal et que l'on ait une spirale ascendante. Et le tout doit être basé sur l'abstraction. Un tiers de chardonnay, deux tiers de pinot noir, sans fermentation malolactique. Notre seule façon d'élaborer la chose va être des conversations. Élégance. Et comme les mots sont là pour porter des concepts, 0% sucre. Ça peut apporter d'autres angles. Et le formidable, c'est qu'il n'y a que vous qui puissiez le faire. De proposer sérieusement de passer de la danse classique à la danse moderne. Donc voilà notre Brut Nature 2006. Déjà, on voit que la bulle est fine. La bulle est très très fine. Là, on voulait de l'élégance, hein. On l'a. Hein. C'est la texture qui est incroyable. De douceur et de fraîcheur en même temps. La bulle vient derrière, elle est tout en légèreté. Sublime ça. Ça invite à l'évasion. Ouais. Ça continue à raconter l'histoire. Et puis l'origine, hein, la rivière, les vins de rivière. On est vraiment dans la douceur, dans la maturité. Une réussite totale. Non. À l'amour. À l'amour. C'est une telle création qu'il n'y a plus besoin de faire la bouteille. Le bijou, il est dedans, c'est pas la peine de faire quelque chose. Et je pense qu'il faut aller bien plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il faut même que l'étiquette soit le moins possible. Et moi, je vous propose que ça soit vraiment un papier, comme si vous preniez une note dans les caves et que vous disiez, bon, ça, c'est ça. Et en fait, on devrait faire une note essentiellement descriptive. Et là, on est dans la vérité, on est dans l'honnêteté.